Messieurs, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Psaume 118, 14e partie. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. Je jurai d'observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Allez au fond de ma
touche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements, mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent à piège. Je me dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 126. Qui habitera sous ta tente, Seigneur? Qui reposera sur ta sainte montagne? Qui habitera sous ta tente, Seigneur? Qui reposera sur ta sainte montagne? Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est la largesse du Seigneur que des fils, récompense que les fruits des entrailles. Comme flèche en la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui que de ses traits a pu remplir à son carquois. Sur la place, quand il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Psaume 127. Heureux qui croit le Seigneur, il marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras. Épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils des plantes oliviers à l'entour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion. Voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur? Sur ta sainte montagne.
Cantique de Moïse, page 251. Écoute, ciel, je vais parler, et la terre entendra ce que dit ma bouche. Que ruisselle la pluie de ma doctrine, que descende la rosée de ma parole. Comme des ondées sur la verdure, comme les averses sur l'herbe. C'est le nom du Seigneur que j'invoque, vous magnifiez votre Dieu. Le rocher parfait est son œuvre, car toutes ses voies sont justice. Dieu de vérité, bon de fausseté, lui il est juste et droit. Tu lui as souillé des enfants sans tache, engeance fourbe et tortueuse. Est-ce ainsi que vous payez le Seigneur, peuple insensé et stupide? N'est-ce pas lui qui t'a acheté, ton père qui t'a fait et te maintient? Rappelle-toi les jours d'autrefois, réponse aux années révolues. Interroge ton père qui te l'apprenne, tes anciens qui t'en fassent le récit. Quand le Seigneur dota toutes les nations, quand il répartit les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples, suivant le nombre des fils de Dieu. Mais l'eau du Seigneur fut son peuple, Jacob sa part d'héritage. Il découvre au pays de la steppe, dans le lugubre chaos du désert. Il l'entoure, il l'élève, il le garde, comme la prunelle de ses yeux. Tel un aigle qui excite sa nichée et plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes, il le prend, il le porte sur son penage. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger avec lui. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Cyril Argenti, le sens de la prière. L'œuvre du Saint-Esprit qui procède du Père repose sur le Fils, est donnée aux croyants et renouvelle la nature humaine, est bien résumée par saint Paul. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous, qui le visage découvert, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image de gloire en gloire, comme il convient à l'action du Seigneur qui est Esprit. Voilà qui définit bien ce qu'est la prière et son but, l'exposition de l'homme au rayonnement de l'Esprit-Saint, qui progressivement renouvelle en lui l'image de Dieu et le transforme de gloire en gloire, selon le modèle de cette image parfaite de Dieu qui est le Fils de l'homme, Jésus-Christ. La prière, en ce sens, n'est nullement un acte fragmentaire. Elle n'est pas un ensemble de paroles ou de formules qu'on récite à un moment donné, mais bien un état permanent de l'homme, état qui redevient son état naturel et vital lorsqu'il se replace sous le rayonnement de l'Esprit. C'est pourquoi la plus importante de toutes les prières est celle que le Seigneur Jésus lui-même nous a indiquée. Si vous qui êtes mauvais ne donnez pas une pierre à vos enfants quand ils vous demandent du pain, ou un scorpion quand il vous demande un œuf, combien plus votre Père du ciel vous donnera-t-il le Saint-Esprit si vous l'en priez? Thank you.
Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Mais on n'enchaîne pas de Dieu. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur, mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Voilà ce que tu dois rappeler en déclarant solennellement devant Dieu qu'il faut bannir les querelles de mots. Elles ne servent à rien, sinon à perturber ceux qui les écoutent. Toi-même, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme quelqu'un qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir de ce qu'il a fait et qui trace tout droit le chemin de la parole de vérité. Gloire à toi, Seigneur, et louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Cet extrait de la seconde lettre adressée par le vieux Paul emprisonné à Rome à son disciple Timothée peut paraître un peu disparate. On y trouve divers conseils d'ordre éthique ou pastoral destinés à éclairer l'action de Timothée, mais aussi un rappel de la situation personnelle de Paul et même un fragment d'une hymne liturgique. Une notion cependant qui court comme un fil rouge dans le texte aide à le structurer et donc à en comprendre la portée et la réponse qu'il sollicite de notre part, la fidélité de Dieu. Il est remarquable en effet que la courte définition donnée par Paul de ce qu'il appelle son évangile, présente Jésus comme le descendant de David. C'est faire mémoire de la longue histoire du peuple élu, rappeler que le dessein éternel de salut de Dieu s'est incarné dans les méandres, les évolutions, parfois les divagations de l'histoire d'Abraham et du peuple sorti de lui, plus nombreux que les étoiles du ciel, de Moïse, et du peuple passé à sa suite de la maison de servitude à la terre promise. Il n'est pas explicitement fait mention d'eux ici, mais de David. David, le roi selon le cœur de Dieu, qui est Christ, puisqu'il a reçu l'onction, et reçu aussi la promesse que sa maison subsisterait à jamais devant le Seigneur. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. L'incarnation de Jésus, fils de Dieu, et sa résurrection, qui nous donne part à son éternité en Dieu, sont l'épanouissement de cette promesse, la réalisation plénière du choix d'amour de Dieu, qui ne s'est porté sur un homme que pour s'élargir à tout un peuple, puis à la plénitude des temps, à toute l'humanité, récapitulé en son Fils.
patience obstinée dans l'épaisseur des siècles, fidélité de Dieu. Cette fidélité se lit aussi dans le fragment d'hymne qui se présente d'une façon quelque peu paradoxale. Les trois premiers versets montrent en effet logiquement un choix libre de l'homme entraînant une conséquence pouvant lui être favorable. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons, mais aussi parfois défavorable. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Mais voici que le quatrième verset rompt avec cette logique distributive de récompense ou de châtiment. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole. C'est dire que, plus forte que la logique de nos choix, souvent mal éclairée, il y a la fidélité amoureuse de Dieu qui dépasse toute logique. Que par-delà nos erreurs ou nos égarements, sa volonté de salut demeure inaltérable, éternelle comme lui. Face à cette fidélité de Dieu, parfois si obscure, mais si bouleversante lorsqu'on la découvre à l'œuvre dans le monde ou dans chacune de nos vies, quelle peut être la réponse de l'homme ? La fidélité ne peut appeler que la foi, les mots ont même étymologie, la confiance en un Dieu qui, avec tant d'obstination, mais aussi tant de respect, nous redit sans cesse « Choisis donc la vie ». Cette foi qui permet à Paul, dans sa prison, de supporter tout, dans la joie d'être configuré au Christ, souffrant pour le salut de tous. Cette foi qui est demandée à Timothée, se présentant devant Dieu comme un bon ouvrier. Foi, on le remarque, qui est appuyée sur la parole de Dieu, trois fois mentionnée au début, au milieu et à la fin du passage. Parole puissante qui ne peut être enchaînée, parole de vérité qui donne accès à la vie. Que grandisse donc notre foi à la suite de celle de Paul et de Timothée en ce Dieu fidèle qui promet la vie et qui déjà nous l'a donnée en son Fils ressuscité. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, aide-nous à accompagner toutes les personnes en fin de vie, qu'elles puissent trouver du réconfort en toi et en ceux qui les entourent. Nous te prions, Seigneur.
Seigneur, aide-nous à accompagner toutes les personnes qui ne désirent plus vivre, qu'elles puissent trouver de nouvelles raisons d'espérer. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, aide-nous à accompagner toutes les futures mères, qu'elles puissent accueillir la vie et donner à leurs enfants tout l'amour dont ils ont besoin. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tous ceux qui font du mal, écarte-le et donne-nous ce qui peut nous aider. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur.
Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses.